Une fois n'est pas coutume, cette sordide histoire commence par de l'autostop. Nous sommes en 1978 dans la ville de Berkeley, en Californie, et la jeune Marie-Vincent, 15 ans, décide de faire de l'autostop. Un conducteur s'arrête, le tristement désormais célèbre Lawrence Singleton. La jeune femme ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à entrer dans la voiture de l'un des plus dangereux prédateurs qui puissent exister. Mais Marie n'est pas méfiante, c'est une adolescente originaire de Las Vegas qui est une danseuse prometteuse, et du haut de son jeune âge, elle a déjà dansé sur la scène du célèbre Lido de Paris situé à Vegas. Elle a aussi dansé d'ailleurs à Hawaï. Mais voilà, ces derniers temps, elle est préoccupée. Ses parents sont en instance de divorce, l'un est commerçant, l'autre est réparateur de machines, et l'ambiance est pesante. Marie ne supporte pas la situation, elle est en colère, alors elle décide de prendre la poudre d'escampette pour aller s'aérer l'esprit. Elle a besoin d'un peu de temps seule, donc elle décide de partir en Californie pour aller rendre visite à son grand-père. Elle n'a peut-être que 15 ans, mais elle n'en est pas à son coup d'essai. Elle a déjà fugué par le passé. Elle était partie tout un été avec son petit copain dans la ville de Sausalito. Mais cette fois, elle part seule, et n'étant pas véhiculée du fait de son jeune âge, elle décide de faire de l'autostop. Et à l'époque, faire de l'autostop est courant. D'ailleurs, Marie en a déjà fait. Alors quand une camionnette bleue s'arrête à sa hauteur, elle est ravie. Le soleil tape fort, la chaleur est suffocante, et le conducteur, qui est donc ce Lawrence Singleton, du haut de ses 50 ans, lui paraît être une personne tout à fait inoffensive. On dirait un papy pour elle. Il la rassure, lui dit qu'elle lui fait penser à sa fille, qui a son âge. Singleton lui propose de la déposer à l'Interstate 5, c'est sur sa route, lui qui va à Reno. Alors c'est parfait, elle monte à bord. Et sachez qu'elle n'était pas seule à ce moment-là à faire de l'autostop. À cet endroit, il y avait d'autres autostoppeurs, mais le conducteur n'avait accepté de prendre que la jeune fille, trouvant cette situation bizarre. Les autostoppeurs présents lui avaient déconseillé de monter seule, mais faisant fi de toute mise en garde, elle a embarqué. Lorsque Marie monte à bord, Singleton allume une cigarette, ce qui la fait tousser. Singleton en profite pour s'approcher d'elle, sentir son cou tout en lui demandant si elle est malade. Marie s'écarte immédiatement, trouve ça, avouons-le, bizarre, mais quelques instants plus tard, voyant que Singleton ne tente rien, elle est rassurée, se dit que c'est une maladresse, et bercée par le trajet, elle s'endort rapidement. Mais les choses vont tourner au vinaigre lorsque Marie s'aperçoit à son réveil que ça fait un bon moment qu'ils ont dépassé l'embranchement de l'Interstate 5. Ils sont maintenant en route vers le Nevada et sont dans une région isolée. Alors finie la naïveté d'instinct, Marie sait qu'elle est en danger. Alors dans un réflexe de survie, elle saisit un bâton de randonnée situé à côté d'elle, sur le siège passager, et menace Singleton avec. Elle exige qu'il fasse demi-tour. Singleton se confond en excuses. Il dit ne pas avoir fait exprès, lui dit qu'il va immédiatement faire demi-tour, ce qu'il fait d'ailleurs un peu plus loin, mais le voilà pris d'une envie soudaine d'uriner. Il se gare sur le bas-côté de la route, Marie ne voit pas le piège venir, elle en profite pour se dégourdir les jambes, elle se baisse même pour nouer ses lacets, tournant le dos à Singleton, et c'est ce moment qu'il choisit pour l'attaquer. Il attrape un marteau en douce, marteau qu'il avait pris soin de garder à portée de main, et assène à Marie un violent coup à la tête. La pauvre s'écroule, et ce n'est que le début du calvaire pour elle. Il se déshabille et glisse dans sa bouche son et la menace. Si elle résiste et ne s'exécute pas, il va la tuer. Il va ensuite la traîner à l'arrière du van pour abuser d'elle, et la menace encore. Si elle crie, c'en est fini pour elle. Il l'attache avant de reprendre la route. Après un long moment, il s'arrête, détache la jeune fille et la force à boire de l'alcool. Et ensuite, il la viole à de multiples reprises. Il est d'une brutalité sans nom avec elle, au point que, sous le choc, Marie finit par s'évanouir. Lorsqu'elle reprend connaissance, Singleton est toujours là. Elle le supplie de la libérer. Il lui dit de s'allonger face contre terre et lui dit encore une fois qu'elle sera libérée si elle se laisse faire. Elle s'exécute. En tant que Singleton retourne à son véhicule, et lorsqu'elle tourne la tête et qu'elle regarde derrière elle, comble de l'horreur,
elle s'aperçoit qu'il tient une hache. À peine a-t-elle eu le temps de réaliser les choses que Singleton la plaque fermement au sol. Elle entend alors un bruit sourd et se rend compte qu'elle n'a plus de main droite. Il vient de lui trancher son avant-bras juste en dessous du coude. Elle hurle de douleur, mais il n'en a pas fini puisqu'il coupe ensuite son autre avant-bras. Vous l'aurez compris, Singleton n'avait aucunement l'intention de la libérer, non, au contraire. Il pense ainsi la tuer et se dit qu'en faisant ça, il n'y aurait pas d'empreinte et que Marie ne serait pas identifiable et que forcément, elle va mourir en se vidant de son sang. Puis, sans le moindre remords, il la jette nue et en sang dans un fossé en lui disant « Tu voulais être libre, maintenant tu l'es ». La malheureuse roule et fait une chute de 9 mètres de haut, elle perd connaissance et Singleton reprend la route comme si de rien n'était. Mais voilà, Marie n'est pas morte. Elle ne tarde d'ailleurs pas à se réveiller, elle souffre, elle est sous le choc, mais la priorité pour elle, c'est de trouver de l'aide. Et là où elle est, personne ne risque de la trouver. L'endroit est désert. Elle perd beaucoup de sang. Si elle ne trouve pas un moyen de rapidement stopper l'hémorragie de ses bras, elle le sait, elle se videra de son sang sans pouvoir aller bien loin, alors elle plonge ses moignons dans la boue. Elle a mal, mais elle se force quand même. Et ça marche. Bientôt, elle ne saigne plus. La boue a séché et formé une couche hermétique et protectrice qui a contenu l'hémorragie. Et rassemblant ses dernières forces, elle a réussi à remonter la petite colline et à marcher 5 kilomètres, toujours nue, en direction du bruit lointain des véhicules circulant à vive allure sur l'autoroute, jusqu'à enfin croiser âme qui vive. Elle est en fait dans le canyon del Puerto, et les premiers automobilistes impressionnés et paniqués par la scène continuent de rouler sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'enfin, un couple qui s'en allait en vacances s'arrête. Ils n'en croient pas leurs yeux. Ils ont en face d'eux une scène d'horreur, une jeune fille nue qui peine à marcher et en sang, et qui tient ses bras en l'air. Car oui, Marie, pour, je cite, que les muscles et le sang ne tombent pas, a bien pris soin de les garder levés pour sauver ce qui lui reste de ses bras. Le couple l'a enveloppée dans un drap, ont appelé une ambulance, et la seule chose qu'elle répétait, c'était « Il m'a violée, il m'a violée ». Marie est emmenée de toute urgence à l'hôpital où elle est soignée, et Marie est déterminée. Il faut que ce malade soit hors d'état de nuire, et comment oublier ce visage qui l'a tant fait souffrir. Elle se souvient de lui avec précision, c'est d'ailleurs d'une grande aide pour la police, qui est en mesure d'effectuer un portrait robot qui est diffusé dans la presse, et une personne tombe dessus. Ce visage ressemble à un visage qu'elle connaît bien. C'est celui de son voisin, Lawrence. Elle décroche sans tarder son téléphone, prévient la police, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Singleton ressemble à ce portrait robot, ce qui n'échappe pas aux enquêteurs. Singleton est alors arrêté, et voici qui il est. C'est un misogyne, convaincu en d'autres termes, il déteste les femmes et les estime comme inférieures aux hommes. Et d'ailleurs, sa femme en avait eu marre et avait demandé le divorce plus tôt dans l'année. Sa fille ne lui parlait plus après une grosse dispute. Il travaillait par le passé dans le commerce du transport maritime et avait eu des problèmes avec la justice à cause de son alcoolisme. D'ailleurs, lorsqu'il avait pris Marie en stop, il buvait sa gnôle dans une brique de lait pour être plus discret. Il est né le 28 juillet 1927 à Tampa, en Floride, et il maintient dur comme fer qu'il y a méprise, qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Mais quand on le présente à Marie, sans surprise, elle le reconnaît immédiatement. C'est bien cet homme qui l'a violée, torturée et mutilée. Et odieux jusqu'au bout, il dit que Marie est une prostituée, il dira plus précisément que c'est une, je cite, « pute à 10 dollars la nuit » et qu'ils ont eu des rapports consentis et le reste... Il n'est pas au courant, mais personne n'est dupe, et il est placé en détention jusqu'à son procès, qui aura lieu 6 mois plus tard. Pendant tout ce temps, Marie, elle, apprend à vivre sans ses avant-bras. Pendant sa convalescence, on l'équipe de prothèses. Elle ne se laisse pas abattre. Bien évidemment, elle doit abandonner ses rêves de danse, mais elle reprend rapidement une vie presque normale. Elle retourne même à l'école. Et donc, quelques mois plus tard, le procès de Singleton s'ouvre enfin. Marie est présente, tout le monde est bluffé par son courage, elle apparaît forte et souriante, elle est déterminée à faire condamner son agresseur, mais voilà,
À l'époque, dans l'État de Californie, si la victime n'est pas décédée, autrement dit s'il n'y a pas meurtre, les peines étaient ridicules et surtout comparées à l'horreur de ce crime. Et pour cause, Singleton risque au maximum 14 ans de prison. Et quand on connaît le jeu des remises de peine, on peut être sûr qu'il ne les fera pas. Alors la population et Marie la première sont sous le choc. 14 ans pour ça, fendre le crâne de Marie à l'aide d'un marteau, la violer toute la nuit, la sodomiser, lui couper les bras et la jeter dans un fossé pour ne risquer que 14 ans, c'est une blague. Certains sont condamnés à plus pour moins que ça. Pendant le procès, Marie le montrera du bout de sa prothèse et dira « c'est lui mon agresseur ». Mais elle quittera subitement la salle d'audience après que Singleton lui ait glissé quelque chose. Elle dira plus tard qu'il lui a dit « je vais finir le travail, même si ça me prend le reste de ma vie ». En tout état de cause et sans surprise, Singleton est reconnu coupable et condamné à la peine maximale 14 ans de prison. Et le juge lui-même dira, lors de l'énoncé du verdict, « si j'en avais eu le pouvoir, je l'aurais envoyé en prison pour le reste de sa vie ». La population est révoltée, elle veut clairement sa peau, mais la loi est la loi. Personne ne peut la transgresser, même lorsqu'elle est injuste. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Marie a porté plainte au civil contre Singleton. Elle a le droit de réclamer des dommages et intérêts. Le tribunal a statué que Singleton doit lui verser 2,5 millions de dollars pour le préjudice causé. Mais voilà, c'est la douche froide. Marie apprend que Singleton est sans le sou, au chômage, malade, et qu'il n'a que 200 dollars d'économie sur son compte. Elle ne recevra donc que quelques miettes. Mais au moins, se dit-elle, la société est à l'abri pendant 14 ans. Mais non. Comme je vous le disais, surtout à l'époque, si un détenu se conduit bien en prison, il est rare qu'il fasse la totalité de sa peine. On pourrait penser que dans ce cas précis, les autorités allaient faire une exception et le laisser croupir en prison jusqu'au dernier jour de ses 14 années. Mais non, puisqu'à peine 8 ans plus tard, il est libéré sur parole. Le motif, il a été un détenu exemplaire qui a beaucoup œuvré en tant qu'assistant d'enseignement dans une classe de prisonniers. Alors, le système lui fait confiance. Ce qui est ahurissant pour certains, le procureur qui était en charge de l'affaire dira « il vit dans un monde imaginaire, il ne se considère pas comme coupable et ne se considérera jamais comme tel ». Et il est vrai que Singleton n'a jamais arrêté de crier à qui voulait bien l'entendre qu'il était innocent, mais fort heureusement. La population a vent de tout ça et le peuple est déchaîné. Déjà, aucune ville ne veut l'accueillir. Pendant ce temps, Marie ne perd pas une seconde, soutenue par les Américains de part et d'autre du pays. Elle demande à ce qu'une commission change la loi, que les peines encourues dans ce genre d'affaires quand il y a des actes de torture et de barbarie soient drastiquement plus lourdes pour empêcher ce genre de libération anticipée, et ça va marcher. Cette affaire sera l'origine d'un changement de loi désormais. Les crimes particulièrement violents seront passibles de 25 ans à la prison à vie. Voilà déjà une bonne chose de faite pour les Américains, mais qu'en est-il de Singleton ? Le processus de libération conditionnelle se faisant par étapes, il faut bien le loger quelque part pendant justement qu'il est en conditionnel. Mais personne ne veut de lui nulle part, alors c'est une lourde tâche qui attend l'administration. Et c'est alors une rocambolesque histoire qui commence. On va tenter d'établir le criminel à Tampa, mais les citoyens vont se battre, avec un tel acharnement d'ailleurs, que finalement ça ne se fera pas. Puis on a tenté de le mettre dans le nord de San Francisco, mais c'est mal connaître les habitants, qui là aussi vont réussir à empêcher sa venue. Eux vivant, jamais. Et alors qu'il avait été escorté jusqu'à un hôtel du coin, ces 500 manifestants qui étaient venus hurler sous ses fenêtres en encerclant le bâtiment. Les policiers ne pouvaient décemment pas le laisser là, alors rebelote, on essaye de l'installer dans une autre ville. Mais même chose, puis dans une autre. Mais même chose, à chaque fois les habitants se sont précipités devant sa porte, à peine y avait-il mis un orteil. Finalement, comme c'était sans fin, le gouverneur George Duckmézian
à trancher. Il sera placé dans une roulotte planquée au fond d'un terrain de Saint-Quentin avec un couvre-feu et sous la surveillance de gardiens. Prêchant pour sa paroisse, Singleton a affirmé être désormais sobre. Marie, quant à elle, peu rassurée, a vécu dans un endroit qu'elle a tenu secret. Singleton, dès sa peine de conditionnel terminée, a alors décidé de retourner vivre en Floride, pays qu'il l'a vu grandir. Il se faisait plus ou moins discret, mais notons tout de même qu'il n'a rien trouvé d'autre à faire que de voler un appareil photo jetable à 10 dollars. Alors c'est retour à la case-prison pour purger une peine de 60 jours. C'était en 1990 et à peine quelques mois plus tard, c'est cette fois un chapeau à 3 dollars qu'il a volé. Et comme il y a récidive, il a cette fois pris 2 ans de prison. À sa sortie, il est resté à l'écart de tout problème, mais le crime, Singleton a ça dans le sang et il ne va pas tarder à faire une autre victime. En 1997, alors qu'il habite la ville de Sulphur Springs en Floride, l'un de ses voisins appelle la police. Il est paniqué, il connaît le personnage et vient d'entendre des cris de détresse d'une femme émanant de son appartement. Les policiers se sont précipités sur les lieux et ils ont trouvé Singleton couvert de sang. À côté de lui, il y avait le corps sans vie d'une femme, Roxane Hayes. Cette mère de 3 enfants était prostituée et Singleton l'avait attirée chez lui avant de la poignarder de plusieurs coups de couteau à la poitrine. Et elle laisse derrière elle 3 enfants. Retour encore une fois à la case prison, qu'il, d'après de nombreux Américains, n'aurait jamais dû quitter. Marie Vincent va faire le déplacement pour le procès, elle va raconter une nouvelle fois son calvaire, cette nuit d'horreur qu'elle a vécue alors qu'elle avait 15 ans, et cette fois Singleton sera condamné à la peine de mort. Mais il semble encore une fois échapper au système, puisqu'il ne sera jamais exécuté. Il mourra de cause naturelle en 2001, d'un cancer d'ailleurs, dans un hôpital, le North Florida Reception Center à Stark, en Floride. Pour beaucoup, c'est un véritable gâchis. La mort de Roxane Hayes aurait pu et aurait dû même être évitée. Marie Vincent, elle, a tout de même vécu dans la terreur après son agression. À la maison, elle avait des problèmes avec sa famille, sans compter qu'elle se sentait seule dans son école spécialisée pour handicapés. Elle a déménagé dès qu'elle a obtenu son diplôme et n'a jamais révélé à la presse ou à son entourage autre que proche son adresse. Elle a longtemps été traumatisée et dépressive même. Elle sombrera dans l'anorexie, elle s'éloignera de la plupart de ses proches et a vécu dans la peur pendant des années avant de lentement remonter la pente et vivre une vie épanouie. Elle s'est mariée et a eu 2 garçons. Et même si la relation s'est soldée par un divorce, cette nouvelle vie de famille lui emplissait le cœur. Elle a commencé à peindre et est devenue une artiste à part entière, certaines de ses œuvres étant évaluées à 2000 dollars. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Grosse annonce, on vous a laissé une big surprise sur Instagram. Donc je vous rappelle notre Instagram LilaXLilia. Il s'agit de la vidéo que nous avions posté et qui avait été supprimé. Voilà, je vous laisse la découvrir et je vous laisse juste un indice. Suivez le chat qui feule. Voilà, merci tout le monde. Merci à nos amis tipeurs qu'on remercie très chaleureusement. Les likers de vidéos également, les commentateurs de vidéos également, les abonnés, les gens de passage. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.